Bonjour. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment créer une carte mentale avec un outil en ligne, Framindmap. Nous allons nous connecter à un compte que nous avions créé avant cette vidéo. Donc, voyez là, je vais me connecter à ce compte. Sur ce compte, il existe déjà des cartes que j'ai créées. Donc, l'intérêt aussi, c'est de stocker la carte mentale non pas sur son ordinateur, mais à l'extérieur. Sur le site Framindmap. Vous voyez, par exemple, je vais cliquer ici sur blog et je vais retrouver la carte qui concerne le blog. Alors, une petite carte, vous voyez, quand on clique sur les nœuds, on peut développer ou pas les arborescences. Vous voyez, l'intérêt aussi d'avoir un compte en ligne, c'est que l'on peut publier. Vous voyez, on active le partage en cliquant sur cette petite croix. Et quand je fais défiler ici, j'ai un code que je peux copier-coller, par exemple, ici, que je vais pouvoir ensuite mettre dans un blog ou une page HTML. L'intérêt également, c'est qu'on peut exporter aussi notre carte dans différents formats, le format vectoriel étant le format image, un format qui va permettre d'agrandir ou de rétrécir notre image. Autre intérêt également, c'est quand on revient ici au tableau de bord sur mes cartes qui s'appellent des Wise Map, quand on coche ici, voyez. Que peut-on faire ici dans plus? Eh bien, on peut partager cette carte. Quel est l'intérêt de partager cette carte? Eh bien, vous êtes propriétaire de la carte. Et ici, quand on saisit une adresse mail, on peut, ici, voyez, définir deux droits. Soit la personne peut consulter votre carte, soit elle peut collaborer avec vous et ajouter ses propres notes, elle peut éditer votre carte. Donc c'est quand même très pratique de pouvoir travailler à plusieurs, simplement en ajoutant des collaborateurs qui peuvent éditer. Ce que ne peut pas faire Framindmap quand on n'a pas de compte. Donc nous allons créer tout simplement une nouvelle carte. Je lui donne un nom, donc une carte... de démo, on crée la carte tout simplement. Donc vous voyez, au centre de notre carte se trouve notre titre et on va double-cliquer à l'extérieur pour ajouter un nœud principal. Ensuite, au clavier, il suffit de faire entrer, voyez, pour ajouter autant de nœuds que l'on veut. Ici, je peux ajouter aussi un nœud de l'autre côté, vous voyez, j'en ajoute autant que je veux. Si je veux ajouter ensuite une sous-idée, par exemple au nœud principal, eh bien je vais utiliser les touches Tab. Et vous voyez que je crée ce qu'on appelle un nœud fille. Ensuite, avec la touche Entrée, vous voyez, je vais développer une arborescence. Tout simplement. Alors ici, on a des outils qui permettent de transformer les nœuds. Vous voyez, je peux mettre simplement une ligne, je peux mettre entourer le mot avec... un cercle, donc vous voyez, si je veux l'éditer, je mets un texte à l'intérieur en double-cliquant, tout simplement. Quand on sélectionne ici le texte, on a la possibilité, effectivement, de modifier la couleur des nœuds. On peut rajouter aussi des petits pictogrammes. Par exemple, si on traite du sport, eh bien, on va mettre par exemple un petit ballon de foot. On peut rajouter des notes et également des liens. Donc ici, vous voyez, je vais cliquer sur le lien. Vous voyez, on colle simplement le lien. Et on n'aura plus qu'à l'ouvrir. Donc c'est très pratique quand on veut illustrer notre carte et renvoyer vers un site. Donc exemple, on est en train de classer des animaux. Je ne sais pas, moi, par exemple, les mammifères de la savane. Les élèves ont répertorié, par exemple, un lion. Et puis, on va chercher ici une image de lion dans notre navigateur. On se met en mode image. Et vous voyez, par exemple, on va pouvoir récupérer ce lien, le copier en faisant CTRL-C. Et vous voyez, on va prendre ici
notre étiquette Lyon, on ajoute le lien, on le colle en faisant CTRL-V et on clique sur Accepter. Donc fermons ici notre image de recherche. Si maintenant je clique, je fais se rendre sur le site et vous voyez la page où on a toute une collection de Lyon va apparaître. Ce qui est très pratique. Donc ici, vous voyez, on a un outil qui permet de faire des relations avec un nœud. Exemple, je vais prendre la relation, vous voyez, il est attaché ce nœud et je vais faire une relation avec mon texte qui est ici. Vous voyez, je clique. Maintenant, je vais prendre cette ligne pointillée. Hein. Vous voyez, là je vais tirer sur les poignées. Alors attendez, hop, comme ceci, je tire sur la poignée, vous voyez, hein, ça va me permettre légalement, vous voyez, comme ceci, hein, ça va me permettre de contourner la carte. Alors évidemment, ce nœud, il est éditable hein, si je veux changer sa couleur, hein. Voilà, tout ce qu'on peut faire avec cette carte. Vous voyez qu'avec la molette, on peut zoomer, dézoomer. C'est extrêmement rapide. Et il suffit ensuite d'enregistrer ce qu'on a fait. Alors, où est-ce que c'est enregistré? C'est enregistré sur le tableau de bord, ici, avec toutes les cartes. Tout simplement. Ici, vous avez une arborescence avec les cartes que vous avez mises dans le domaine public. Celles qui sont partagées avec d'autres collaborateurs. Ici, vous avez vos cartes, tout simplement. À bientôt pour un autre tuto.